Recevoir un prix comme le prix énergie est une reconnaissance pour nos recherches. Pendant très longtemps, le bébé a été considéré comme petit et charmant, mais certainement pas comme un objet de recherche scientifique. Or, nous avons besoin de comprendre, pour un certain nombre de pathologies, le développement normal. Nous avons besoin de comprendre, même pour comprendre le fonctionnement adulte, comment fonctionne un cerveau aussi petit et comment il peut apprendre des choses aussi fantastiques que sa langue maternelle, que des mathématiques, que de reconnaître les uns et les autres, quelque chose qu'il fait d'ailleurs souvent beaucoup mieux que le cerveau mature et complet de l'adulte. Donc le prix énergie représente une belle somme et va nous permettre d'acquérir une nouvelle machine, une spectroscopie dans le proche infrarouge. Cette machine est une machine qui nous permet de compléter les informations temporelles données par l'électroencéphalogramme. Ce sont des lumières qui sont posées sur la tête du nourrisson et qui nous permettent de voir quelle est la région cérébrale qui répond. C'est une machine beaucoup plus légère que l'IRM, elle apporte à peu près le même genre d'informations, mais sa légèreté fait qu'elle est beaucoup plus facilement utilisable chez le jeune nourrisson. Je remercie chaleureusement la Fondation Énergie et l'Institut de France pour ce très beau prix, et aussi tous mes collègues qui, depuis de nombreuses années, passent de longues heures à essayer de comprendre le cerveau du bébé. Et mes collègues d'Amiens qui ont développé cette nouvelle machine de spectroscopie en proche infrarouge qui nous sera très utile dans ces prochaines années.